You're calling, I'm falling, don't know what it is you do. Coucou les amis, on se retrouve de bon matin. Je vous ai pas vlogué, nous sommes samedi. C'est presque 9h. Oh. Et je vais aller réveiller ma copine Zozo. Donc on est chez Zozo, ceux qui sont venus avec les 4 enfants, là on est chez eux pour quelques jours. Elle dort encore. Bonjour mon Zozo. Oh bonjour. Comment ça va? Et toi? Oh, tu m'as tellement manqué cette nuit. Ah là là, que l'ordure. Salut les hommes. Ça biche? Ça va et toi? On discutait du programme, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme sortie? Bah, un coup, vous allez rester avec les petits, donc on va sortir avec Julien. Ouais, on va aller se faire un petit billard, une bonne bière. Je suis avec Julien à Montargis. Et pour tous ceux qui m'ont demandé de voir Lily Rose marcher, regardez-la. Tuk 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 tuk. Lisa me dit ça arrive, les vêtements. Tata, il y a la puce. Tu viens me voir maman, ma puce? Oui. En plus, on est dehors, donc c'est pas aussi stable que le sol de d'habitude. Regardez-la. Maintenant, elle marche que debout. Même si elle prend son temps. Alors, l'herbe, oula. Ouais, ça va être compliqué là, l'herbe, hein, ma puce. T'as raison. Vaut mieux. Ah non, elle va se relever, regardez-la. Non mais les DVD hein, les toi. On est pas le droit. Ouais mais comme tout le monde a décidé apparemment sur les réseaux sociaux de te fêter ton anniversaire aujourd'hui. Non. De quoi alors? Tu fais quoi? C'est d'être 30 ans et un jour de... Eh mais c'est pas aujourd'hui. Non d'ailleurs c'est et ça et ton père, cadeau. Le père il est pour moi. Non. Bon, il est déjà le fêter. Voilà bon anniversaire. Mais moi je dis non moi. C'est ça que c'est vrai. Merci encore. C'est moi qui l'ai personnalisé celui-là. Et après t'as l'autre cadeau qui n'est pas personnalisé mais non emballé. Je lui donne maintenant. Bon elle fait attendre demain. Bah oui. La tête est... Non je suis pas d'accord. Non je peux attendre. Maintenant que j'ai vu qu'il y avait un paquet, je suis curieux. T'as du monde demain? Non. Bon allez tiens vas-y. C'est Laure qui a tout personnalisé, alors moi, je sais qui l'a fait. Moi, je parie que c'est un téléphone portable. Voilà. Non, c'est un drone. Ah bah après. J'ai pas promis de drone. Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs trucs. Une coupe géante. Ah, cool. Je suis toujours en rade. Regardez-moi. Non. Ah, là. Ah, mais c'est trop bien. Non. Elle a des projets en tête. Non mais tu voyages maintenant donc c'est bien que t'aies une caméra qui te permette d'aller sous l'eau, d'aller un peu partout. En Grèce t'aurais pu nous filmer les poissons. Eh c'est bien d'avoir des copines YouTube. Bon je vous retrouve, on est sorti de table depuis quelques temps. Je vais dire coucou là. Là Zozo est en train de bosser sur un petit truc. Non, tu veux me piquer ma caméra toi? Regardez là. Ma coquinette.
Là, il y a papa qui fait faire de la balançoire à Lily Rose. Ça s'amuse, tranquillement. Elle est morte de rire? Elle veut t'attraper? On va pas tarder à aller partir se promener. On va aller visiter un petit peu les coins. Elle va nous montrer quelques coins. Oui? Tu veux monter ou tu veux descendre, Eden? On est en voiture, coucou chouchou. Je crois que t'as pas entendu bonjour. Salut, salut. On est de sortie. On va donc faire quelques magasins, prendre le goûter en ville. Et après, on va faire une petite course nourriture qui manque. Sinon, il y a quelques trucs quand on t'a. Oui, les courses, mon cœur, c'est ça exactement. Et voilà, tout le petit groupe est de sortie. Zozo, elle en a trois devant. Papa, il a chouchounette derrière. Et moi, les demi-mères sont à côté de papa. Papa en poussin et Eden suit le mouvement. Et Zozo est venue chercher. Je sais plus ce qu'elle. Elle est venue chercher quoi, Zozo? Elle est venue chercher quoi, Zozo? Zozo des roues. Ah oui, les petites roulettes. Le vélo à deux. Non, j'ai déjà un ballon, mon cœur. En fait, on veut essayer d'apprendre à nos enfants à faire du vélo. Mm-hmm. Anto, c'est là qu'ils ont tourné, mon cœur. Regardez comme ils sont mignons, tous les deux. Les deux petits derniers, on leur a dit de se tenir la main. Comme ça, d'une, ils courent moins vite. Et deux, ils restent. On est dans une zone piétonne, hein, donc ça craint rien. Mais du coup, ils sont trop mignons. Ils se tiennent la main, ils se baladent. Pas trop vite. Doucement, les loulous. Anna, reviens. Là, elle court. Je m'envole. Voyage de noces. Voyage de noces à 3 ans. Parce que pour la petite histoire, Eden et Anastasia ont quoi, 4 jours d'écart, c'est ça? Elle est du 4 janvier, la tienne. Hein, ouais. 4 janvier 2015. Et moi, Eden. Cette fille fait tout comme moi, aucune personnalité. On est au parc, on a pris la boulangerie un petit goûter, moi j'ai pris un croissant chocolat. Pour les enfants, on a tous pris la même chose. Zozo, on leur a pris des brownies, que maman d'ailleurs est en train de gentiment manger. Et puis là, ils sont tous allés avec Anthony voir le bouc. On est dans un endroit où il y a une ferme en fait, hein. Il y a des ânes, il y a des poules, des fermes publiques. Quoi. C'est assez sympa, ça permet l'éveil pour les loulous. D'ailleurs, ils y foncent tous, mis à part mademoiselle, qui nous fait un joli grand écart. Voilà, gymnaste, ouais, elle est forte. Hein. Et essaie de faire pareil pour voir. Non. T'es pas aussi souple, je comprends pas le problème. Je suis plus vendable, là. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Je suis avec Zozo. Et on est avec le caddie de course. On va faire les courses pour les jours à venir, essentiellement pour demain. Et les petits trucs qui mènent pour le jour à venir, c'est ça, 3 jours, ouais. Les d'autres 3 jours, même si moi je suis la petite Estelle. Pour le boulot, mais du boulot agréable, toujours, toujours. Comme demain on fait barbecue et qu'on a Becca qui vient nous rejoindre parce que Zozo est à moins d'une heure de Paris, on est en train de prendre pour les assiettes pour le barbecue, pour avoir que c'est plus simple. Et du coup on a pris pour les enfants sur les mignons. C'est pour attraper Becca dans le jardin. Ça sera dit et répété. Du coup pour faire totalement mixte, les mignons, voilà, on a pris ce qu'on s'est dit que si on prenait... soit un thème qui fasse beaucoup plus filles ou un plus garçons, il y en a qui les rallient. Et nous, on se prend quoi? Tu veux une couleur? Oh ma bébé, t'es sortie de la douche du petit bain. Ça dépasse. Mon amour. Elle est fatiguée là. Oh mon cœur. Papa, il t'a mis le côté le pyjama? C'est papa numéro 2. Elle est bien là. Par contre, je te rappelle que c'est un bébé qui a une couche, et toi, je ne resterai pas trop longtemps, sait-on jamais, hein. C'est maintenant pour amuser, je crois. Voilà les courses qu'on a fait avec Zozo. On est passé chez le primeur pour tout ce qui est les fruits et les légumes. Petite question, du coup, peut-être qu'il y en a qui sauront nous dire. Zozo prend des yaourts au soja pour les enfants. Sachant que ma plus petite a 3 ans. Voilà, sachant que ma plus petite a 3 ans. Et qu'elle commence seulement à en consommer. Voilà, qu'elle commence à en consommer. Moi, on m'a toujours dit pas avant 3 ans. Mais est-ce que de manière générale, pour les enfants, le soja, c'est pas mauvais? Moi, c'est la question que je me posais. Donc n'hésitez pas, à ceux qui savent, à nous dire en commentaire
Elle me met le doute, cette fille. Bah, moi, je sais pas. Et c'est pour ça que je te dis que Lily, par exemple, elle en mangera pas. Et Dan, il a plus de 3 ans, oui. Mais je sais qu'à 23 ans, elle me dit non. Oh, mon bébé. Oui. Et voilà, on a trouvé tout pour faire barbecue, les petites courses, etc. Maintenant, on va tout... manger ? Ouais, ranger d'abord. C'est le soir, les amis. C'est déjà plus de 20h. On est rentré tard des courses, qu'on est sorti, etc. Donc là, je suis dans la chambre où dorment les loulous. Alors là, du coup, c'est le lit pour Eden. C'est un... c'est quoi comme lit ? C'est un lit... tu sais plus, Julien ? Stock. Il me semble, c'est, j'allais dire, ça ressemble au lit stock. Et en fait, qui s'ouvre et du coup, après, ça fait un lit un peu plus grand. Eden rentre largement dedans. Et Lily Rose, elle dort dans le lit parapluie à côté. Un stock. Ouais. Donc voilà, je vais lire sa petite histoire du soir. Et après, ça va être exactement la même chose pour Eden. Et tout le monde est dit, tiens, maman, mon amour. On dit merci à tonton Julien. Voilà. Oups, je crois que j'ai semé en route, mais vite. Oui, on va lire l'histoire, mon gars. Hop. Hop là. On lit Dora. Oh, c'est Dora. Et ça, c'est... comment il s'appelle, le copain de singe ? Tu sais plus ? Oh, je sais plus. Ça fait longtemps. Babouche. Ouais, Babouche. C'est l'heure d'aller se coucher, Dora. Et Babouche se glisse dans leur lit. On se retrouve, c'est 22h. Les enfants, là, les derniers qui sont là, vont pas tarder à aller se coucher. C'est le week-end, ils profitent, c'est la fête en plus. Du coup, je voulais répondre à certains commentaires. Et par rapport à la différence du vlog, vous avez remarqué effectivement que j'ai réduit. Oui, bah mange le gâteau, mon cœur, si tu veux. Vous avez vu qu'il y a eu une grosse différence dans le fait que vous voyez beaucoup moins les enfants. C'est une décision que j'ai prise pour les vlogs en semaine, en fait, tout simplement. Ça a été suite à un trop plein de commentaires sur Eden qui nous a posé souci. Comme la puce. Je crois que j'ai une Anastasia qui vient me... tu veux dire coucou ? Et donc, du coup, voilà ce que j'ai expliqué sous un commentaire parce que je savais pas si ça allait être si flagrant que ça et surtout si. Si ça valait le coup de l'expliquer ou pas, parce que j'avais pas vraiment envie qu'il y ait de débat. Voilà, c'est une discussion qu'on a eue avec Anthony en tout début de semaine où on faisait un peu le point sur les commentaires, etc. Et que voilà, on a pris la décision que pour les vlogs de la semaine, quand on fait pas de sortie, etc., qu'on les voie moins. Ça veut pas dire que vous allez plus les voir, ça veut pas dire que vous allez plus voir tous les visages. Ça veut simplement dire que ils seront un petit peu moins présents dans les vlogs. De manière générale, plus recentrée sur moi, sans pour autant les faire disparaître. Là, vous les avez vus parce qu'on est sortis chez des amis, dont la petite Anastasia. Et que voilà, pour nous, il n'y a aucun souci sur le partage, simplement pour le moment, vis-à-vis d'Eden. Et du coup, on a pris le même choix pour Lily Rose. On préfère un petit peu réduire leur présence pour réduire les commentaires négatifs qu'il peut y avoir sur eux, qui pour nous n'ont pas lieu d'être. Voilà, tout simplement. Donc, je vous donne rendez-vous eh bien, demain à midi pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne nuit. Tu as dit au revoir ? Au revoir ! Au revoir ! I've kept my heart inside a box.